Bonsoir à tous. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Le député mauve Reza Yutim demande à la speaker de prendre des sanctions contre Kalyan Tarola le plus rapidement possible. Une demande qui fait suite aux conclusions du bureau du DPP qui a sollicité Maya Anoumanji afin de statuer si les actions de l'ancien PPS constituent un outrage au Parlement ou pas. Kalyan Tarola est accusé d'avoir envoyé des photos et vidéos obscènes, notamment lorsqu'il se trouvait au Parlement en septembre 2017. Une charge provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre Rajendra Apajala. Ce dernier, qui compte 27 ans d'expérience en tant qu'avoué, a été arrêté par l'ICAC ce matin dans le cadre de l'affaire Sunkai. Il était le représentant légal de la compagnie. L'ICAC l'accuse d'avoir touché des frais provenant des transactions douteuses. L'île Maurice a été élue la destination la plus romantique au monde 2018. Le pays a reçu ce titre lors du World Travel Awards qui s'est tenu au Portugal samedi dernier. Présent lors de la cérémonie, Anil Gayan s'est réjoui de cette distinction qui, selon lui, récompense l'engagement du secteur touristique de ces 12 derniers mois. Merci de nous être fidèles. Retrouvez l'info en continu sur l'express.mu.